Secret des Toudis, voici tous les sacrifices de Chantal pour protéger et soutenir Paul Biya ces derniers temps. Quantité de légendes pesantes courent sur l'image de la première dame du Cameroun aux côtés de son époux Carousel, magistralement pensée par la musique principale des armées. Pas de reine très applaudie du groupement paracommando des forces spéciales congolaises, voix qui annonce le début du défilé civil, des militants des partis politiques, qui paradent sous la pluie, le départ du chef de l'État échappe en zoom des caméras de la télévision nationale, contrairement aux habitudes. En vrac, c'est à cela que ressemble la rubrique insolite du cinquantenaire de l'unité du Cameroun célébrée vendredi dernier au boulevard du 20 Mézi. La présence du couple présidentiel en ce lieu symbolique n'a pas surpris, l'image de Chantal Biya invariablement très proche de son époux pendant le défilé militaire, a néanmoins permis à plus d'un commentateur de conduire un récit de parse. Qu'il a mis en scène un geste inhabituel lors de pareilles occasions, le personnage de l'époux du président de la République a décentré le regard et induit des interrogations qu'il serait regrettable de négliger, postule Crinchia Bolanga. De l'avis de cette spécialiste de la communication politique, ce cliché peut être compris comme un signe évident d'un nouvel état physique ou moral du chef de l'État. Vu sous cet angle, l'on voit se profiler l'image de Chantal Biya, soutien de Paul Biya, gestion des contradictions, sans reconnaissant que les critères d'appréciation qu'offre ce regard s'avèrent un peu exagérés. Omer et Sungu pensent qu'il s'ordonne beaucoup plus, comme une sorte de précipité ou de condensation chimique des angoisses populaires propagées volontairement par des rumeurs et des histoires graveleuses de luttes de clans. En tout cas, nuance-t-il, ils peuvent aussi s'ordonner autour de l'image de Chantal Biya, à la fois près de son époux et prête pour lui, elle, ou à contribuer au bien-être de son mari. Et là, elle répond à la vocation traditionnelle de toute femme, être au service de son mari. Dit-il selon le sémiologue, depuis peu, l'époux du chef de l'État donne à voir et légitime l'image du couple présidentiel. Se prétend au jeu de la communication politique, et il est indéniable que certaines postures récentes de Madame Chantal Biya ont permis à son époux et à elle-même de gérer des contradictions sur la base du schéma 1 plus 1, qui renverrait à deux individualités, mais plutôt que l'ensemble doit ne faire qu'un. Et dans cette logique, le président de la République et sa femme sont associés dans un projet commun, celui de la gestion des contradictions générées par leurs âges respectifs, 89 et 51 ans, NDLR. Et les niveaux de sollicitation quotidienne, analyse Omer et Sungu sur le coup, l'universitaire s'inspire d'un exemple. Souvenez-vous, dit-il, de l'empressement avec lequel la première dame a tenu à être aux côtés de son mari lors de la revue des troupes au stade d'Olambe en janvier dernier.